la saison, Sartrouville, grosse équipe du championnat. On veut tous la première place ici, on veut monter en deuxième. Bah, on gagne 2-1, on peut mettre beaucoup plus de buts. Mais oui, et devant le but, on vendange de beaucoup trop, on rate beaucoup trop d'occasions. Match contre Vauxhall, c'est un match important. On entend parler qu'ils ont, pareil, recruté énormément de joueurs du bassin mantais, donc beaucoup de joueurs que mes joueurs connaissent. On sort avec un match nul, alors qu'on a eu beaucoup d'occasions. On ne répétera jamais assez, hein, mais il y a encore les automatismes qui vont venir. Certains joueurs qui doivent aussi reprendre, étant donné que ça fait un moment qu'ils n'avaient pas joué. À pas les prendre de haut, c'est surtout pas l'erreur à faire. On l'a fait l'année dernière, on s'est fait avoir plusieurs fois et ça nous a coûté la montée. Encore une fois, attention, les erreurs ça arrive, le terrain il est mouillé, ça fuse, que ce soit pour les défenseurs, pour le gardien. Croyez jusqu'au bout à ce que vous faites et en vous, ok? Mais encore une fois, ne prenez pas ce match à la légère, s'il vous plaît. Frappez, soyez efficace le plus possible. On l'a fait sur deux matchs, on met pas beaucoup de buts alors qu'on doit en mettre beaucoup plus. Aujourd'hui, je veux que ça change, s'il vous plaît, je veux que ça change. Là, dimanche, on joue Montesson. Équipe mystère, parce qu'ils ont fait un gros match, je crois qu'ils gagnent 9-1, je crois, contre Chanteloup. Et après, ils font match nul. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. J'ai essayé de reprendre la même équipe que Sartrouville à quelques joueurs près, parce qu'après, forcément, il y a des blessés, il y a des absents. Il faut faire avec, hein, on est en Détroit, les gens, ils ont une famille, ils ont un métier. Ils ont une vie, tout simplement, donc des fois, on fait avec. Sortez, 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 sortez.
dommage, dommage. Si on est proche, on est dur, on y va, sinon on ne va pas. Ouais, ouais. Ouais. Bien joué. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est rien, c'est rien. Bien joué, François, bien joué, Baboune. Allez, allez, on part. Là, par contre, suivez les vrais. Les gars, là, on super match. Ouais, l'arbitre l'a vu. Merci, bien joué. Merci, bien joué. La première avec la main, la deuxième. Viens. Va, va, va. 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 Peur pas, peur pas. Allez! Tiens, mais avec lui, avec lui! Sans jeter! Bien joué! Oui, la biche! Merci, la biche! Bien joué, Alex! Super, Alex! Super, Alex! François, allez, allez, avec nous, là! Allez! Va fixer! Va fixer! Va! Fais-lui, c'est plus fort. Ouais, corner. Bien joué, là. Matt, vas-y, là, avec lui. Ouais, va, va, va. Va, mec, viens, viens, viens. Il y a des buts. Attention, va. Ça va, c'est bon. Ça arrive, ça arrive. Ça vient jouer. Bien joué, super. Avance, avance, avance. Non plus. Là, t'es pas, t'es pas, t'es pas. Ouais, je suis. Allez, Mal, t'es fort, t'es fort. La rando. Ça vient. En jeu, bien sûr. Je vais essayer de vous parler calmement. Parce que là, franchement, je suis énervé de ouf. D'une, parce qu'en fait, on est meilleur qu'eux. Encore une fois, 15 fois plus fort qu'eux, parce qu'il n'y a rien en face. C'est que des jeunes qui courent vite, mais il n'y a rien en face. Je suis désolé de vous le dire, les gars, mais à un moment donné, il faut se réveiller. Vous pouvez faire les bonhommes autant que vous voulez, rigoler à l'échauffement autant que vous voulez. Après, sur le terrain, il faut avoir des couilles. Les coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il va y avoir un bonhomme dans la surface à un moment donné, là? Quand Raph, il vous dit de prendre un bonhomme, c'est pas de se mettre derrière lui et d'attendre qu'il touche la balle, hein? Est-ce qu'il a le droit d'être tout seul pour frapper dans le corner? Est-ce que vous, quand vous faites des corners, vous êtes tout seul pour frapper? Tous les dimanches, c'est pareil. Les seules fois où on se fait baiser, c'est sur coup de pied arrêté. Mais encore une fois, on plante pas devant et on se prend des buts de merde derrière. Ça joue bien en ballon, c'est ça le pire. Resserrez-vous, vous me faites la même chose que le premier match. Devant, il y en a un qui est à l'autre bout, le milieu, Walid qui fait ça comme un malade depuis tout à l'heure. Rapprochez-vous, resserrez-vous, les ailiers, venez à l'intérieur jouer au ballon. Venez à l'intérieur, quand c'est à droite, on écarte et tout le monde rentre. Quand c'est à gauche, c'est l'inverse. Mais là, quand on joue à droite, le gauche, il est tout là-bas. On touche qui? Comment on le touche? À part faire des transversales. Et vous ne faites que des ballons en l'air. Que des passes en l'air. Jouez dans les pieds. Jouez dans les pieds. À chaque fois que vous combinez, ils sont dans la merde. Ils sont paumés. Ils n'arrivent pas à vous prendre la balle. Alors continuez comme ça. Pourquoi on change? Pourquoi on change quelque chose qui fonctionne? On doit gagner ce match, hein. On doit gagner ce match. Physiquement, on est au-dessus d'eux. Techniquement, on est au-dessus d'eux. Et vous arrivez à jouer au ballon. Sauf qu'à un moment donné, vous voulez tout le temps aller trop vite. Attention. Vous n'avez pas le cardio non plus à 100% pendant 90 minutes. Hein. Moi, je veux bien qu'on rigole. Mais pas qu'on prend 2-1 par Montesson alors qu'on le roule dessus toute la première mi-temps. Ça me fait chier. Personnellement, ça me fait chier. Oh. J'ai mis quand tu veux. Hein. Il va rater! Il va rater! Ça vient d'où? Ça vient! Enlève! Allez, Allez,
Merci Alex. Merci chef. Toujours Merwan. Allez. Bien joué là. Est moins bonne que la première, elle est plus inquiétante parce qu'on leur laisse quand même pas mal d'occases. Ils sont à deux doigts quand même d'en mettre un troisième. Mais après on tient bon et ouais, frustrant parce que j'ai une équipe qui peut aller largement au bout de ce match, qui peut gagner ce match. Et là on est en train de chercher les ingrédients qui manquent pour vraiment faire quelque chose de ce championnat. Les résultats du week-end, 1-1 pour la première, Maxime débriefe rapidement derrière. Nous on a fait 4-1. 2-2 pardon. Excusez-moi, j'étais sur. Ouais c'est pareil. J'ai vu le match ce matin, c'est pareil complètement. Nous on est sur une victoire 4-1. Bien joué, félicitations. Non, nous on est match nul, mais on est complètement passé à côté du match. Même en passant à côté du match, on arrive à être. Meilleur que sur une mi-temps parce que la deuxième c'est compliqué. Mais on reviendra en détail sur le match de la première jeudi. Ok. Sinon ouais c'est. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête non plus. Ça reste, le football ça reste un plaisir. On a quasiment joué les 3-4 meilleurs du championnat. Donc c'est pas non plus. Pas s'alerter non plus. Mais attention. Juste attention, faut, à un moment donné, il faut arrêter de déconner parce que les jokers, ça va être comme l'année dernière. Les jokers, on n'en aura plus.
et après ça on va le payer cash. Donc je reviendrai vraiment sur le match jeudi avec vous. Et je pense que tous ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas revu le match, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire. C'est très intéressant. À la coupelle qui est là, Walid, mets-toi à la coupelle. À mon top, on va chercher la coupelle à gauche, la coupelle à droite, on revient derrière. Donc comme ça, on va chercher là, tac, je vais chercher là, tac, je reviens derrière. J'accélère, slalom, sans ballon au niveau des piquets. Je suis de gauche, il va directement vers le but. Je mets une passe en retrait, il frappe. Pendant ce temps-là, l'autre, pareil, il fait le tour de la coupelle jaune qui est là-bas. Il vient chercher le ballon qui sera à côté de la coupelle jaune qui est là. Et lui, il sera en partie offensive et l'autre, il se met en mode défenseur 1 contre 1. C'est bon ou pas ? Du coup, ce dimanche, on joue l'FC Mantois en coupe, Coupe des Yvelines. Ils sont en D1. Du coup, équipe importante puisque c'est une grosse équipe. L'FC Mantois, ça a toujours été une grosse équipe dans la région. Moi, j'ai énormément d'absents. Malheureusement, là, on est sur une hécatombe. Je dois avoir, je pense, entre 6 et 8 absents. Et quand je parle de 6 et 8 absents, c'est des titulaires, donc des joueurs importants de l'équipe. Et on verra bien ce que ça donne. Après, je sais que je vais devoir piocher dans l'équipe B, dans le groupe B, pour vraiment arriver à avoir au moins 13 joueurs, si on y arrive, je l'espère. Si on en a 14, c'est parfait. Puis si on en a moins, bah, on fera avec. Et puis on ira comme des guerriers et on se donnera à fond jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'il y ait de creux. D'accord ? Parce que si on perd la balle après, c'est là où on va souffrir. C'est là où on va souffrir. Parce que vous allez devoir faire le sprint jusque dans notre camp pour venir récupérer le ballon. Ok ? Donc Emir, ça va être ton rôle. De toute façon, Raph, il va t'aider aussi, je pense. Si tu vois qu'on dépasse le milieu de terrain, n'hésite pas à faire grimper tout le monde, d'accord ? Ce match va être très dur. Vous êtes que 12. C'est dans la tête que ça va se jouer. J'ai besoin, nous avons besoin, vous avez besoin, que jusqu'à la 90e minute, tous, chacun de vous, là, se donne à 200%. Il n'y a pas de place pour le mec qui dit « Ah, c'est dur, je vais trottiner. » Non, 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 non. Il n'y a absolument pas de place pour ça, je vous le dis tout de suite. N'oubliez pas qu'il y en a qui auraient aimé être là aujourd'hui et qui ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est 200%. Concentration. À partir du moment où vous sortez de ce vestiaire, même pour vous échauffer, c'est concentration. Je sais qu'il y en a qui ont l'habitude de souffler, de rigoler pour se détendre, tout ça. Aujourd'hui, j'ai besoin que dans la tête, ce soit solide. À partir du moment où vous sortez de ce vestiaire pour vous échauffer, c'est 200%. Concentration maximale. Aujourd'hui, on a des choses à prouver, nous aussi. Hein. On a des choses à prouver, hein, avec les résultats qu'on fait sur les deux dernières semaines, on a des choses à prouver. Prenez ça comme un test, un défi. Vous êtes que 12, c'est pas grave. Sur le terrain, j'ai 12 guerriers. J'ai 12 guerriers. Ok, messieurs ? Jouez pour les copains qui peuvent pas être là aujourd'hui, qui auraient aimé jouer. Pour les Bilal, les Anis, Ryan. Ryan, fin de saison, hein. Jouez pour lui aussi, messieurs. Hein. Jouez pour lui. Parce que lui, je vous assure, il aurait aimé jouer aujourd'hui.
Ok les gars? Dès que vous êtes prêts, on y va, on va s'échauffer tranquillement, ok? Et après on reviendra ici. Thank you.
rien en face. Il n'y a rien en face. Ils ont 2-3 joueurs qui vont vite, qui font la différence, sinon il n'y a rien. Ils ne vous pressent même pas. Vous avez le ballon, ils ne vous pressent même pas. Par contre, là où on se crame depuis le début, c'est qu'on veut jouer vite à chaque action. Au lieu de faire circuler et à un moment donné d'aller piquer. Et on perd beaucoup plus la balle et du coup on passe plus notre temps à courir après la balle qu'autre chose. Nathan Jay, vous allez vraiment rentrer entre Mo. Il y a Anas Mo en 6, vous allez rester en 6. Nathan Jay, vous allez venir entre Cam et Steven. Cam et Steven. En fait, Steven, tu vas arrêter de presser tout seul devant, ça sert à rien parce que tu es tout seul à courir. Il n'y a personne qui suit ton pressing. Donc ça sert strictement à rien. Ok ? Tu vas venir serrer avec Cam et on va les attendre. D'accord ? Dès qu'on a la balle, on fait tourner. Et dès qu'il y a un déplacement qui vaut le coup, on y va à 100% par contre. Il faut que tout le monde suive. D'accord ? Continuez les gars. Là, 2-0, ça veut rien dire. Hein. Les gars, on peut y arriver. Hein. Je vous le dis, on peut y arriver. Vraiment. Hein. Honnêtement, je m'attendais à une équipe beaucoup plus forte que ça. Hein. On est largement capable. Je vous le dis, on est largement capable. Hein. 2-0, ça va vite. Hein. Là, ils vont nous faire courir. Hein. Ils gagnent 2-0, comme dirait, vous êtes dans un fauteuil. Ok les gars, yeah, allez la dalle, la dalle, la dalle, allez, allez, allez. Allez les gars là. Il y a du monde au centre. Viens, allez, viens, allez. Ouais. Ouais. Sors, sors, sors.
Du coup, ça fait une victoire pour ce début de saison et deux matchs nuls et une défaite en coupe là contre l'AFC Mantua. Et en fait, ce qui inquiète, je sais que les joueurs s'en inquiètent et moi aussi d'ailleurs, hein, c'est l'absence de beaucoup de joueurs. Est-ce qu'on va les retrouver? Parce que là, on a un joueur aussi du milieu de terrain qui s'est fait les croiser malheureusement. Donc lui, on sait que la saison s'est terminée pour lui et c'était un joueur clé au milieu de terrain. Donc c'est comme ça, après c'est comme tout dans tous les clubs, hein, ça arrive à tout le monde, il faut s'adapter. Après, il y a quelques interrogations, il faut ressouder l'équipe très vite, il faut parler, il faut communiquer et ça se passera bien. Je pense que là, il y a des joueurs qui vont revenir et je pense que là, les équipes qui nous ont joué, je pense que pour nous, ça va être compliqué cette année, mais je pense qu'on va revenir très fort et on va surprendre beaucoup d'équipes de notre championnat. To the finish line, seatbelt, fast whips, got a win in mind. See me when I scurry.